Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Bonsoir Soren, je vois que tu es dans le chat, du coup je lance pour que tu ne patientes pas trop. On va pouvoir commencer comme ça notre petite soirée Apis et se remettre dans ce petit jeu d'ambiance fort sympathique. Alors visiblement, on a particulièrement des parasites sur notre puce de contrôle mental aujourd'hui. Je regarde vite fait s'il n'y a pas un jeton qui est réapparu, mais non. Top 10 des Dream Jobs. Super. On a Chobiti de nouveau avec nous ce soir pour nous aider à faire des burgers corrects. Coucou Soren. On peut manger ça? Ah, on peut manger ça. Bon bah, je l'ai mangé pour rien. Et comment vas-tu Soren? J'adore cette porte qui s'ouvre là, c'est encore notre voisin qui l'a ouvert. Bah ouais. Mec. C'était tôt. Censé avoir été viré? Bah, c'est pas qu'il était viré, c'est qu'il était censé être parti, mais c'était peut-être pas lui, hein. Peut-être qu'on avait un autre collègue invisible. Bon, on est full life, on est full énergie. Normalement, il y a un sac à trouver quelque part, mais je sais pas où. Un sac à dos. Peut-être qu'une fois qu'on aura notre truc à carte là, on pourra ouvrir certaines portes et trouver le sac à dos. C'est parti. Ah, t'es un peu au calme pour regarder un petit truc d'horreur. Sinon, tu les prenais avec toi pour regarder le live, ça les aurait calmés. Hein. Je suis sûr. Hop là. Allez, on va aller voir si le musée est ouvert. Tout hasard. Il neige visiblement. Ça va pas nous aider. Non, apparemment c'est fermé. On va faire un petit tour quand même au cas où. Cette rangée de camions. Si je monte sur un camion, je peux pas monter sur un camion. Dommage. Je me disais que je pourrais peut-être sauter en haut de la grille, mais non. Ça ne passe pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, en tout cas, on a plein de thunes, donc je vais essayer de passer assez régulièrement au magasin, là, voir si on peut pas choper tous les ingrédients pour faire notre décodeur de cartes. C'est marrant, elles ont les feux allumés dans le parking, les voitures. Eh ouais, il y a des boîtes de pizza, t'as vu. Un resto qui fait des pizzas, mais non, nous on fait des burgers. Seuls les burgers sont valables dans cette ville. Oh, les pubs. Ah, jetons. Nice. Ouais, donc faut vraiment se balader un peu en fait, hein, explorer un peu le truc. Bon, sauf que là, je suis censé aller bosser, normalement c'est après le travail que je devrais explorer. Allez, on va juste vite fait voir s'ils vendent autre chose ici du coup. Pourquoi je pourrais pas le ramener? Happy la vache, Humble numéro 27. Non. Je peux très bien retourner à mon appartement le ramener avant d'aller bosser. Hein. Pas de souci avec ça. Bon, on a de quoi? Quoi? Bah non, mais Tau, ça fait longtemps qu'il a terminé son chemin, je pense. Hein. Enfin, lui il court au plus rapide. C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble quand on se retrouve derrière une pile de hamburgers. Certes. Ah oui, on a carrément de la neige quoi. Ça serait des hot dogs. Alors, on a un nouveau poste de travail. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est améliorer notre truc. On peut améliorer le grill, hein, les boissons, le four. On l'avait déjà pris, le four. Temps de préparation, durée des événements. Ah non. Ah non, si ça a dû marcher, ok. Les événements durent 30 secondes de plus. Ok, très bien. Il nous faut de la lumière.
Faut qu'on pointe. Alors, c'est quoi les daily duties? Ok, y a des... il faut réinitialiser les trucs à rats. Vite teuf. Hop 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 hop. Ah ouais, hein, tu m'étonnes qu'il y a plein de rats partout. Tous les pièges y sont désactivés. C'est quand même trop classe, hein, les pièges à rats juste à côté de l'entrée. Franchement, ça donne vraiment envie. Attends, t'imagines, tu manges dehors, ressort pour un rat. Ouais, tu manges dehors et là, clac! Un gros rat qui se fait choper. Alors, il y a aussi ça à porter tant qu'on y est. Hop. Et ça sera fait. Et ouais, je peux en prendre que 4, il y en a 9, parce que c'est comme ça chez Happy. On ne facilite la vie. Hop, allez, on va s'occuper des poubelles après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Très bien, fantastique. Alors, le truc à hot dog, ça doit être ça, le truc à hot dog. Ok, donc c'est parti. On va allumer. On va fermer cette porte. Et on va mettre ouvert. Non, ils sont pas allumés parce que je peux les allumer que quand j'ai mis que c'était ouvert. Attends, puis c'est pareil, lui, il s'est déplacé là depuis tout à l'heure. Sérieux, quoi. C'est ouvert. C'est bizarre, ce reflet dans la vitre qui ne correspond absolument pas. Il a disparu. Parfait. On est bien. Alors, vite, on allume, on met à chauffer. On va lancer des frites, des trucs, deux comme ça, hop, 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 chauffe Marcel, tac, 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 putain, ça commence. Alors, toi, tu veux quoi? J'ai pas fermé le frigo, mais je vais y aller. Donc il veut un Fantasy Fall sans laitue, un Happy Dog sans ketchup et deux shakes. Ok, c'est parti pour le Happy Fall, Fantastic Fall, la saucisse. Alors, la saucisse. Elle veut pas cuire cette saucisse. Il y a déjà un rat, ouais. Mais il me pousse en plus. Fantastic Fall, no lettuce. No lettuce, merde. On va ramasser ça. Hop, voilà. Putain, le rat qui... Ah, je peux le tuer, parfait. Le rat qui est intéressant. Ça, c'est cuit. Ouais, alors attends. Un pain, une saucisse... No ketchup. La moutarde. Et deux chèques. Happy dog, no ketchup. Deux shakes. Ah putain, et ça s'est éteint. Il y a un enfoiré qui l'a éteint. Ça commence bien. Il est peut-être cuit mon truc là. Ouais, c'est bon, nickel. Hop. Hop, hop, ah, toujours cette petite musique fort sympathique. Un shake, un autre shake. Allez, et ça se terminait après. Hop là, vite, 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 il reste combien de temps? 10 secondes, putain. Les toilettes débordent. Quoi? Ils sont où les toilettes? T'es sérieux, les toilettes débordent? J'ai une infraction du coup. Minuteur de commande. Hot pie, popping cork, sandwich, no lettuce, salmon nugget. Alors il faut un popping pork tout de suite. En avant. Putain, c'est tendu dès le matin là, enfin, dès le soir.
Alors dès qu'on est l'heure qu'il est. Toc 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 toc. Il veut un hot pie. C'est ça. Ensuite il voulait quoi? Hot pie, truc nugget, une salmon nugget, un soft drink. On va lancer le soft drink. Putain! Sérieux quoi? Je sais plus du coup, ça me perturbe. C'est salmon nugget. Il faut que je prépare ça. Noletus. C'était Noletus, ouais. Vite, 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 vite. Des sprinkers. Il a encore foutu le feu ce con. Et des salmon nuggets. Hot pie, soft drink. C'est bon. Pff, putain, c'est tendu. On va aller éteindre les sprinkers. Non, ils sont éteints tout seuls. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Cookie, popcorn, sandwich sans cheese et un shake. C'est jouable. Popcorn. Oh là 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 là, c'est tendu du string. Un shake. Ensuite, un cookie. Hop. Donne-moi un sac. Donne-moi un sac. Faut pas faire des stress comme ça. Hein. Un shake. Et des frites ou un truc du genre? Non, juste ton sandwich. No cheese, donc une laitue, un truc comme ça, un truc comme ça. Pif, paf, pouf, pif. C'est pas cuit encore. Il est parti le cochon qui devait nous aider. Merde, qu'est-ce qui se passe? Les toilettes débordent, putain. Et faut arrêter les gens là d'aller défoncer mes toilettes là. C'est un truc de fou quoi. C'est pas cuit encore. Y'a un timer avant le prochain événement. Toute tâche non terminée se traduira par une infraction. Parfait. Putain, mais il cuit pas ce steak! Cuit? Ah, mais c'est arrêté! Oh, putain, c'est arrêté! Oh l'enfer! Il reste 30 secondes. On est bien parti, on est bien parti! Ouais, la petite animation qui continue de cuire, j'avoue que ça m'a perturbé là. Allez. Hop, la cloche. Viens là toi. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Le grid brûle. Bordel. Et ça suffit un peu. Il ne reste plus d'eau pour aujourd'hui, mais vous êtes sérieux? Mais je suis censé faire quoi? Et toi, tu voulais quoi? Des fries de salmon nugget, bon, ça c'est jouable. Ok, donc. What the fuck, je me fais tirer dessus maintenant. Ça a été rallumé tout seul, ok, très bien. Un soft drink. Ce stress, comment il y a mon énergie qui est en train de diminuer, mais à fond la caisse là. On n'a toujours qu'une seule infraction. On n'a pas d'autres poupées de l'enfer qui se pointent. Fantastic Fall No Cheese, Happy Dog, sans moutarde. C'est parti. Putain, je commence à courir moins vite. Va falloir que j'aille acheter un truc. C'était un Fantastic Fall, hein. Je crois. Hop. Hop. Quoi, c'est déjà la fin de la journée? Mais qu'est-ce que je fous de ça? Eh, garde-la pour ton... C'est déjà la fin de la journée. Ton plan secret. Bon bah, poubelle. Toi, t'es en train de cramer. Toc, toc. Mon plan secret, t'as raison. C'était un truc de plan secret? Ah, putain!
T'as complètement raison, faut que je le garde pour mon plan secret. Ah! Ah! Saloperie! Portelle de merde! Mais ta paille et ton truc dans ton petit bac. Ah! Non, je peux pas mettre ça. Ça, je peux. Ça, je peux. Voilà, ça aussi, je pourrais peut-être la vendre aussi. Alors, pick up and dispose of trash in lobby. Trash in lobby. Est-ce que quelqu'un saurait ce que ça veut dire? Don't be a dump. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Non, je l'ai fermé mon doggy bag. Je peux plus maintenant. Bah, j'ai une place, ouais, non, bah c'est bon, on n'est pas non plus à ça près. Hein. On va aller rentrer un coup. Ça suffit de me faire exploser des trucs à la tronche. Bon, bah une première nuit... Ah, je suis pas pointé, bordel. Une première nuit un petit peu tendue, déjà, mais c'est passé. C'est passé, c'est passé. Oui, à toi, je suis une région. Oui. Tout à fait. Je suis pas sombre, je vois pas. Des gens qui me balancent des briques dessus. T'es sérieux? Ouais. Cassons-nous. Cassons-nous. Bon. C'était. Tendu du string cette première soirée hot dog. Ah, le musée vient d'ouvrir. Ça a l'air génial. Le mec qui te donne envie à 200% d'aller voir. Alors, voyons voir. Hop, hop, ça on jette surtout pas. Bombe de peinture rouge. Ça nous servira bien un moment ou un autre. Hop. Je peux m'en servir? Ah oui, je peux m'en servir, très bien. Très utile. Ok, c'est génial. Bon bah on va voir à l'œuvre réfrigérateur, mais oui. Si je suis sûr qu'il y aura des trucs cool une fois qu'on aura notre truc de carte là. Je tag je tag quoi? Qu'est-ce que tu veux que je tag? Le signe. Ouais. Rien à comprendre, c'est un signe, c'est tout. Non mais canard quoi. Soren. Elle est vide. C'est sans doute mieux comme ça. Ah. Mince. On a vidé notre bombe. Bon bah on va aller la vendre. Est-ce qu'on peut la vendre? Il te faut plus de diversité de couleurs. Bah écoute, pour l'instant, je peux acheter de la peinture rouge. C'est déjà pas mal, je trouve. On va en prendre une. Puis on va aller voir le musée, vite fait. Pendant qu'il y a les petits feux d'artifice, là. Bon, par contre, on est un petit peu fatigué, hein, donc j'espère qu'on va pas tomber sur une saloperie. C'est absolument improbable d'ailleurs qu'on tombe sur une saloperie, n'est-ce pas? Au pire, on se défendra avec notre bombe de peinture. Alors, il a ouvert par ici. Ok. Allons voir l'exposition sur Happy. Ah.
Zut. Dangereux, le cuisinier sale. Je pensais que tu aurais tagué le nom de Chobiti, le rouge suffisait si bien d'après tes dires. Écoute, c'est pas tout à fait faux, faut bien l'avouer, le rouge lui va très bien. Frondesque. Ouais, un objet à collectionner. Est-ce qu'on tag comme un sac le musée? Là est la question. Et quelque chose, hein, on voit pas trop le rapport avec Happy sur cette partie-là, mais là un peu plus déjà. The Vanover Family. Bah écoute, non, pas de réaction au fond pour l'instant. Visiblement, plutôt d'accord, hein. À des frappes nucléaires. D'accord. C'est bien rassurant tout ça, dites-moi. Laissez-moi attraper mon truc. Ah, ils ont même les fermetures éclair à l'arrière, quoi. Faisons ça un peu intelligemment. On peut grimper là-dessus. Est-ce qu'on peut après choper... Ah non. Ma nouvelle épreuve, visiblement, c'est d'attraper cette pièce qui se trouve en haut. Sur la queue de la vache. Non, là. Ça me paraît plutôt prometteur pour le début, mais. Non! Déconner? Caméra là. Bon, réessayons, après on ira faire un tour au théâtre. Yes, on l'a eu. On va réussir à sortir maintenant. Voilà. Allez, allons faire un petit tour dans ce sympathique théâtre. Wow. Is a gas giant. It is unable to sustain human life. We have lost two investigation teams to the surface of Batonley. The entire atmosphere is a never-ending storm, a mega hurricane that covers the planet. Thousands of tornadoes rip apart the surface that no mortal will ever lay eyes on. Alors il disait des trucs mais c'était pas traduit donc Salut toi. Are linked together according to Dr. Graham's leaked ecliptic prophecy. Numina is an orb of electrical energy. Dalvikate is a giant metallic husk. It appears to be an abandoned space station rather than a planet. Mouais. Kaikven is a mystery. Pas convaincu par leur représentation du système stellaire quand même, hein. Mais on a quand même trouvé un objet à collectionner. Bon, on a trouvé une cassette et un jeton. On n'aura pas perdu notre temps. Tiens, t'es là toi. Non, tu veux pas me parler. Ah! On est d'accord qu'ils ressemblaient à des vieux monstres, hein. Oui, hein. Là, on est d'accord, hein. Je suis
Je suis pressé de les trouver, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un café triple. Et Charlie le poulet. Je me demande si ça fait quelque chose si on les... Et ça fait sûrement quelque chose si on les collectionne toutes. Allez, je vais prendre Charlie le poulet. Et là, c'est quoi? Il me faudra une bombe. Et ça, c'est quoi? C'est rien. Bon, mon énergie commence à être critique. On va rentrer avant qu'il y ait un truc qui nous tombe dessus. On n'a pas trouvé comment faire des câlins à taux, hein, donc c'est très triste. Bon, je crois que ça y est, je commence à courir tellement lentement qu'on dirait que je marche. Allez, on va prendre une douche, poser nos objets. On trinque au cygne, c'est parti, on trinque pour Soren, merci Soren. C'est très risqué de trinquer en ouvrant une porte hein, dans un jeu d'horreur, bien sûr. Si jamais il y avait une saloperie qui était apparue, bah. Je l'aurais eu dans l'os. Allez hop. On referme. On met le verrou, même s'il va quand même ouvrir le truc de toute façon. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'aime pas trop beaucoup qu'il y ait des trucs qui apparaissent dans mon... Hein? Hop là. Alors, on est d'accord, c'était du Rolopast qu'il nous fallait. Après, il fallait un FM Transmetteur. Alors, le FM Transmetteur... Je sais pas bien où est-ce qu'on va le trouver, par contre. Ah, mais il y a plein de batteries, en fait, là. Ah oui, j'en ai acheté 15 000, c'est vrai. Excuse me. You're standing on my foot. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs récupérables. Donc, notre petite figurine, Izen en nouvelle tempérade. Bah, c'est peut-être ça du coup là. Bah, non, c'est la chicken que j'ai là. Bon, je suis pas sûr de bien comprendre toute la logique des fois. Hein. Mon appart évolue complètement, mais ça reste un petit peu flippant dans le contexte. Allez, une petite douche. Voilà, on est rechargé à bloc. On peut repartir si on veut. Bah non, mais je peux rien en faire de cette figurine, c'est ça qui est con. Tu peux pas la mettre sur l'étagère ? La mettre sur l'étagère, genre là ? Bah, je peux la pousser, mais voilà quoi. Elle est à l'envers quoi. T'en avais pas une de la vache ? Bah, la vache, je crois que j'en ai acheté une fois, mais est-ce que je l'ai ramenée ? Je suis pas sûr. Escape from the barn. Mais oui, complètement. Farmstead peut-être Redemption. Oh la vache, les titres quoi. Bon bah, c'est parti. Charlie et la chicken latterie. Essaie de la mettre sur la partie latérale de l'étagère. Ah bah non, mais elle a disparu de toute façon. Nous volent nos figurines. Qui est-ce qui nous vole nos figurines? Bah ouais, je suis assez d'accord, hein. C'est un peu un scandale. Hein. Allez, go. Achetez du remous avec notre labeur. Ouais. Acheter durement avec notre labeur. Exactement. Un lutin chobiti. Tu crois que c'est un lutin chobiti qui vole nos figurines? Merci robot de tes conseils absolument obvious. Alors à moins qu'on me propose d'acheter un FM transmetteur comme ça sorti de nulle part. Quelque chose me dit que on n'est pas sorti du sable. Allez hop,
On va faire un petit tour là. Mes trucs ils ont disparu, mes tags ont disparu, scandale. Une batterie, zut. On avait essayé déjà de mettre la télécommande, ça marchait pas. Ça c'est des briques. Ça je sais pas ce que c'est. Un truc lumineux. Des bonbonnes de gaz. Des... je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas de FM transmetteur. Hein. C'est quoi dans le coin là? Un balai et un seau. Nickel. Et derrière il y a quoi? Rien du tout. Tu peux pas y aller? J'ai vu une petite trappe. Une trappe? Bah oui, pour ressortir là quoi. Ouais, peut-être qu'on gagne un truc si on fait ça, mais... on va réessayer. Bah je pense que notre gadus c'est celui du haut et puis peut-être qu'on peut le faire accélérer en cliquant, je sais pas du tout. Je chou. Je comprends pas trop. Je suis d'accord, le concept de ce jeu est assez particulier encore. Allez, nos clients nous attendent. On a 317 balles. Et avant de commencer cette nouvelle soirée, on va s'arrêter là pour la VOD. J'espère que ce premier épisode vous a plu. On apprend toujours à fabriquer de nouveaux trucs, c'est cool, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'histoire reste assez obscure. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à tout de suite pour la suite.